Salut à tous, salut à tous. On reprend, on coupera ça. Coupe, attention, ça va commencer. Comment ça va aujourd'hui? Salut à tous, c'est moi, c'est Shani. Et on se retrouve, on est sur les Sims 4. Pourquoi je reprends les Sims? Parce qu'on me l'a demandé, parce que vous me l'avez demandé. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Shani, est-ce que tu peux nous faire une bonne partie des Sims où on pourrait se poiler? Donc oui, on peut se poiler. Play. Et pour ça, on va créer un Sims particulier. Manage World. Yes, mais lui, je l'ai commencé sans vous, c'est pas drôle. Non, on va aller dans le World Select. Dans celui-là, on va s'installer dans une maison de merde. Tiens, celle-là. Voilà, j'y suis. Oui, et il me faut un Sims. Est-ce que je peux faire un totally random? Default Walk Style. Ok, il faut marcher comme un boss. Non, oh, féminine. Yes, voilà, c'est comme ça que marche un boss. Ensuite, je veux que tu sois un adulte, que tu aies une voix charmante. Assez haute. Comme ça. Et quelle aspiration on lui donne? On lui donne l'aspiration à avoir... Déviance. Déviance. Une aspiration à la déviance. Public ennemi ou... Non, il veut des thunes en fait. Il veut que ça, il veut des thunes. Et ensuite, entrée principale, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne le fait qu'il soit... Ça me plaît pas. C'est un gros geek. C'est un gros geek, il aime Star Wars. Et il est complètement cinglé et matérialiste. Non, il est matérialiste, il aime le pognon. Comme tu dis. Alors maintenant, on va te faire ta gueule. Skin détail. Avec des trucs comme ça, des oreilles comme ça, est-ce qu'on peut déco... yes, on va te faire une bonne tête de vainqueur que personne voudrait voir. Les cheveux courts. Comme ça, comme moi, avec les pistes d'atterrissage qui commencent. Après, ça se décape ici. Et bien sûr, il va avoir de la barbe, parce qu'ici, il est viril, il est poilu, c'est un vrai, ouais, vrai poilu, yes. Je rappelle, ce n'est pas moi. Ton nez n'est pas assez grand. Yes, voilà. Maintenant, t'as un bon nez, on va lui remonter les yeux. Voilà. Fais-moi un zoom sur l'œil. Et détaillé edit mode. Toi, tu montes. Toi, tu descends. Et est-ce qu'on peut grossir les yeux? Voilà. On dirait qu'il a chopé la myxomatose. Il lui faut les yeux rouges. Hop. Yeah. Ooh, sexy and I know it. Chapeau de gangster. Ouais. Et puis tu vas mettre des bonnes lunettes de geek. Est-ce qu'on a un choix de couleur? Oui, je les veux blanches. Non, rouge. Rouge. Yes. Yes. Il faut te fondre dans la foule. Hein? Tu te fonds dans la foule. Ok. Maintenant, les fringues. Body. Comme ça. Et puis, un peu plus musclé. T'es geek, mais pas trop. Et un peu de poids. Ouais, pas trop. Yes. Ensuite, style look. Non, on va mettre en top. En top, qu'est-ce qu'on lui met? En top. Punisher. En pantalon. Cropped, non. Short, top, top. Comme ça. Ouh, j'ai vu mieux. Comme ça. Non. Cargo. Cargo noir, parfait. Punisher, chapeau et tout. Il est prêt au combat. Il lui manque une paire de pompes qui ressemble à quelque chose. Comme les lunettes, rouges. Parfait. On est parti. Il lui faut un nom. Il s'appelle... Momo. Momo, pourquoi Momo? Et Momo, c'est un boss. Momo le boss, c'est parti. Et oui les mecs, aujourd'hui, on est des boss. J'ai pas envie de prendre photo avec ta gueule, dégage. Voilà, et tu veux une maison avec des meubles? Oui, tu veux une maison avec des meubles. Aménage, vas-y, yes, aménage. On est parti les mecs, on est parti avec Momo le boss ultime, dont l'objectif, je vous rappelle, est gagner plein de pognon. Mais il a un petit souci, c'est un feignasse. Et quand je dis c'est un feignasse, c'est un vrai. C'est-à-dire qu'il veut pas travailler, et qu'il va profiter des gens, etc. Il fait nuit. Maman, pourquoi il fait nuit?
j'ai peur dans le noir, j'ai peur dans le noir, maman. On dirait une chèvre. Maman. Qu'est-ce que c'est ça? Des livres. Tu sais lire, toi? Matérialistique leçon. Ah ok, il doit acheter des choses. Mais tu sais quoi, ça tombe bien, moi j'avais des choses à faire. Alors là... toi... Vendu, toi... Allez, toi, vendu. Toi... toi là... vendu. Toi là... vendu. Et toi là... vendu. Ensuite, toi... tu dégages, et on va créer une nouvelle pièce. Mmh. On va créer une nouvelle pièce. C'est là-dedans, non? Créer des pièces. Oui, c'est là. Créer une pièce. Créer une pièce. Comment ça, c'est pas possible? Voilà, on a une pièce ici. Dedans la pièce, on va mettre quelque chose. Non, bordel. Audio. Allez, audio. Audio. Vas-y, prends un ghetto blaster. On le met là. 1, 2, 3, go. Get up. Get on up. Ensuite, il me faut un truc, il me faut une porte. Une porte d'or. Cherche. Vas-y. Voilà, doors. Hop, tu prends celle-là, tu la mets là. Tu m'obéis un peu, Momo. Il sait pas construire. Oh. Et on quitte le mode construction. Il me reste combien de thunes? 3240. C'est bon, on a assez. On reprend le mode construction. J'ai oublié d'ajouter un truc à mon ordinateur pour un bon geek. Pour un bon gros geek. Qu'est-ce qui manque? Attention. Qu'est-ce qui manque, les mecs? Qu'est-ce qui manque? Hop. Des computers. Ouais. Ici. Voilà, c'est parfait. On a un super ordinateur. Et tu vas aller écrire un livre pour enfants. Non, tu regardes pas la télé, voilà, tu vas écrire. Boss feignasse. comment on va l'appeler? Tu es ses parents avec style. On dit leçon. Vistis description, l'art et la manière de faire disparaître le corps de vos parents sans que la police n'ait en doute. Moi, machiavélique? Non. Regardez, ça me rend content. Il s'éclate. Alors, leçon 1, tu attrapes une petite cuillère, tu la plantes sous l'œil et tu fais gicler l'œil. Il a appris à écrire. A, B, C, D. Attends, comment c'est clavier? AZERTY, I, I, O, P, Q, S, D, F, G, A, J, K, L, M. Et WXCBBN. Oui, il a gagné des sous, je sais pas pourquoi. J'ai pas suivi. Pourquoi t'as gagné des sous? Momo. Ouh. Ça y est, ça a frisé. Ouh. Il frise. Momo, arrête de friser. Oh, il fait nuit. Ils en sont où, lui? Il en est où? Il est content. Oui. Et il y a personne dans le quartier? Non, il y a personne. On n'a pas d'amis. Pas de quartier, pas d'amis. Il fait nuit, on s'en fout. On s'en bat les noix. Vas-y, écris ton livre. Leçon numéro 2. Quand tu veux tuer tes parents, on a vu la petite cuillère pour faire sortir l'œil. Hein. Comme ça. Et ben aujourd'hui, on va voir comment on leur plante un couteau dans le dos déguisé en Papa Noël. Oh. C'est facile, ils viennent le dire, c'est easy. C'est facile. Alors, 1, acheter une barbe. 2, un costume rouge. 3, trouver un renne. 4, un traîneau. Et 5, un couteau. Une fois fait ceci, passez par la cheminée. Entrez ensuite très doucement dans l'appartement. Attendre que vos parents s'endorment, leur planter un couteau entre les deux omoplates. Et repartir. À ne pas faire à la maison. Et je te cause. Bon, écrit, t'as raison. Il est fatigué. Allez, va dormir. Sleep.
C'est quoi? Arrête d'écrire, va dormir. Je suis Dieu, Momo. Va dormir. Ton lit est moche. Mais alors moche de chez moche. D'ailleurs, le sol est moche. Tout est moche. Il va falloir tout revoir dans cette baraque. C'est pas très très beau. Ça tombe bien, ça nous donnera lieu à des épisodes de construction. Fais doudou, Jaco, mon petit frère. Fais doudou, Momo. Oh, fais doudou, Momo, mon petit frère. Fais doudou, un grand coup de couteau. Si t'arrives pas à dormir, les gens tu peux pourrir. Tu commences à avoir faim, arrête de dormir. Ouh, faut que j'aille chier. Ouh, vas-y, cours. Oui, mais regarde, elle est là, la salle de bain. Va chier, Momo, va chier. Je ris de mes propres conneries, faut que j'arrête. Je suis comme ça. Pousse, vas-y, pousse fort. Oh putain, j'aurais pas dû manger le mexicain. Premier jour, j'ai plombé les chiottes. T'as vu ça? Le plus gros caca jamais sorti. Oui, je sais. Alors, on va avoir beaucoup de blagues de pipi, caca, de pénis, de parents tués, etc. Mais c'est comme ça avec moi. Momo is insane. C'est quoi? Un emotional roller coaster? Ah, ok. Et c'est... Il a des émotions en montagne russe et totalement imprévisible. C'est moi. Va faire bouffer. Va faire à bouffer. Et faut pas le feu à la maison. Alors, ouvre le frigo, Momo, ouvre le frigo. Qu'est-ce que tu nous fais de bon à manger aujourd'hui? Ok, tout en vrac. Il est comme moi dans la vie, il met tout, il remue, il va mettre ça entre deux tranches de pain, il va dire... C'est bon, t'inquiète. Rajoute du sel à la coupe salière. Je suis un gros dégueulasse, je sais même pas tourner une cuillère. Où tu vas? Il va foutre le feu à la maison, ça y est. Oui, ça brûle. Décroche. C'est moi la dernière fois que j'ai fait une omelette. Ouais, c'est moi. Il me ressemble un peu ce personnage, je sais pas pourquoi. Vas-y. Assassine l'omelette. Je l'avais dit que c'était un tueur. Il a un tueur dans la même omelette, il la fait chier, il veut la buter. Bon, maintenant tu manges ta merde. Non, pas celle que t'as pondu là. D'ailleurs, t'as tiré la chasse. Elle est gros dégueulasse. T'as ni tiré la chasse, ni tu t'es lavé les mains. S'il y a de la salmonellose dans le jeu ou des maladies, tu vas les choper, mon gars. Mais regardez-moi cette tête. Ce qu'il mange, ça le rend triste. Là, ça y est, ça la vénère. C'est dégueulasse. Il me faut absolument une femme pour me nourrir. Oui, je sais, c'est très sexiste et on s'en fout. À la maison, c'est moi qui cuisine. Miss Chani, elle est bien heureuse. Elle a fait les gâteaux, moi je fais le salé. On s'est vendu comme ça, mais Momo, lui, il a pas de femme. Donc elle peut même pas lui faire des gâteaux pour son anniversaire et tout, elle est obligée de les faire tout seul. Il se soucie à lui tout seul. Vous dites bien, Momo. C'est bien. Pause. Oh. Hello. Tout ce que j'aime, c'est une femme, des bonnes hanches, des bonnes formes, et une petite coupe de cheveux assez sympathique. Ok. Celle-là, elle te plaît, Momo? Elle te plaît? Va t'introduire. Oula. Ça porte à confusion. Arrête de bouffer, arrête de vouloir jouer à l'ordinateur. Va t'introduire. Et elle est flirty. Oh, elle s'est changée et tout pour moi. Vas-y, viens en courant. Elle s'est changée pour toi. Ah, so so. Hey sexy, tu veux venir au lit? Et j'ai du pognon. J'ai du pognon, t'inquiète. Je te paye. Je te paye. Deux fois, je te le propose. Du fric, tu viens derrière avec moi et... Non. Que je pue la poubelle. Je pue la poubelle, moi. On pourrait peindre ensemble. Je fais des super illustrations pour enfants. Je suis en train d'écrire un livre, t'as vu? Je parle de moi à la troisième personne. Momo, il est super. Tu devrais apprendre à le connaître. Et déménager avec lui? Ouais. Peut-être déménager avec moi. Ouais. Tu peux venir? Brag about possession. Faire le beau avec le fric. C'est moi. Tadam, t'as vu la classe et tout. Elle kiffe ça. T'aimes les ordinateurs? Oui, j'aime les ordinateurs.
More choice. Romance. Inda. Henbei. Ask if single. Ouais, on va lui demander si elle est célib. Si elle est pas grave, si elle est pas grave, on s'en fout. On a fait divorcer. Aucun respect. Zombo Yelbs. Désolé pour la gorge de café. Elle est célibataire, terrible. Yeah. More choice, romance. Je vais te dire que t'es bonne, t'es méga bonne. Et hey, sexy. Il a acquis du charisme en plus. Oh. Prends ta voix pour nous. Prends ta voix pour nous. Shani, prends la voix pour nous. Salut, je suis Momo. Je suis bourré de fric, j'aime pas sortir les poubelles. Et par contre, je te promets une chose, c'est que... Oh, arrête là. Il y a des enfants qui te regardent, il y a des enfants qui te regardent. Flirt. Flirt, flirt, flirt. Hey, sexy lady. Non, 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 non. Où tu vas. Je te lâche pas. Elle lube. Elle lubi lube. Tu veux lubi lube? More choice. Romance. Ask risk question. Est-ce que c'est ce que je crois? Tu veux jouer à la fusée dans le cœur? C'est plein de sous-entendus ça. Mais je t'offre du pognon pour ça. Il faudrait minimum un voyage. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est. Elle est pire que moi. Keyboy Stembara. On s'en fout. More choice. Romance. Hold hands. Vas-y. Je vais te prendre la main. Puis après, je vais te dire que tu m'attires. Et more choice. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Romance. Blow a kiss. J'ai attrapé. J'ai attrapé les bisous. J'ai attrapé les bisous. Ah, j'aime. Comme sur la vidéo, les mecs, il faut mettre j'aime, le pouce en l'air. Maintenant, tu veux. More choice, romance. Embrasse, first kiss. Vas-y, 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 vas-y. T'as pas peur. T'as vu mes biceps. Chérie, il faut se brosser les dents avant de s'embrasser. Il est tendu parce qu'il a faim. More choice, on s'en fout, t'as faim, on s'en fout, flirt, embrasse, complètement. More choice, whisper, séduit. Hello, lady. Oh. Tu veux venir dans la chambre? Je le dirai à personne. Yaba, de... Attends. Offer une rose, ensuite, sexy pose. Oh, je lui fais la totale. Tiens. Vas-y, tu es ma petite amie. On va voir. Tu as vu? À peine arrivé, je vais péter les muscles. Vas-y, Wagyu. Si, non, elle veut pas. Awkward. Apologize. Non, j'ai été trop rapide, c'est ça? Tu veux pas, romance? Pick-up line. Vas-y. Elle veut pas être ta petite amie. Je suis désolé. Je t'aime bien, moi. Tu aimes les caleçons avec des cœurs? Moi, j'adore ça. J'en porte un moi-même en ce moment. Tu veux le voir? Non, elle veut pas. Allez. Bon, bah, retourne à la... Oh, si. Elle revient. Momo, c'est ton heure. Hop. Chope là. Je sais pas faire à manger. Embrasse-lui la main. Et ensuite, more choice. Romance. More choice. Non, romance. Romance. Qu'est-ce qu'on lui fait? Confess attraction. Et. Ask risk question. Vas-y. Arrête-toi. Où il court? Ah, il court chez elle. C'est ça? Tu vas lui couper l'herbe sous le pied. Tu vas l'empêcher de rentrer chez elle. C'est un stalker, Momo, en fait. Où il va? Oui, Momo. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu cours? Ah, ok. Hello. Salut, toi. Oh, tu es sexy à mourir aujourd'hui.
Two goodbye sharks. Ouais, mais si t'avais un ordinateur, mais j'en ai un gros. Non, tout est gros chez moi. Et modeste avec ça. Et modeste. Chat with Lady. Vas-y, sois malin. Non, mais vous, vos gueules, barrez-vous. Et more choice, a romance. Kiss. Et je veux que t'aménages chez moi. J'ai besoin de ça. A con date. Ça te dirait, toi et moi, on sort, on va boire un coup. Elle veut aller au lit. Elle lui demande pas de sortir. Elle veut aller au lit. Elle veut aller au lit. Ask to be girlfriend. Vas-y, ça monte. Tu peux dire oui là. Regarde là-bas, vous dites. On rase les lamas. J'ai gagné du fric en plus. On va où? On va au parc. Ou c'est quoi? Au nightclub. Tiens. Je déteste ces musiques. Moi c'est métal. Ou du pip-hop. Si tu viens avec moi au club, je t'emmènerai par derrière. Je te ferai par... Stop. Non. Toi et moi derrière le club, on va discuter. Oh non, ça va pas non plus. Ah là là. C'est des histoires des lapinoupinous, ça. Allez. Merci. Lily just became the girlfriend of Momo. C'est ma meuf. Mangle, socialize with your date. Dist, flirt with your date. 3, sit and talk to your date. 1. Ok, eh ben les mecs, vous savez ce qui va se passer. Mets la pause parce que là ça lag. Voilà. Les mecs, vous savez ce qui va se passer. On va se retrouver au prochain épisode pour la session Dragonite Club. Et je tenais à vous dire que si tu as aimé cet épisode et que tu veux voir Momo ramener Lilith. Elle s'appelle Lilith, c'est ça? Ouh, elle porte le nom de Lilith. En plus, elle est démoniaque comme moi. Oui, ses parents étaient aussi méchants que moi. Oui, donc si tu veux me voir pécho Lilith et peut-être essayer de choper un Sims pour bosser pour nous à notre place, parce qu'on va être un couple de psychopathes, on va choper un Sims, on va le faire bosser et gagner du pognon à notre place, on va vendre tous ses biens et tout. Enfin, c'est ce que j'ai envie de faire perso dans cette partie des Sims, c'est m'éclater et faire connerie sur connerie. Donc là, on a premier épisode, on pécho une nana, quoi. J'ai franchement, truc. Alors, ce que je voulais te dire, c'est tu laisses un j'aime si t'as aimé l'épisode, tu t'abonnes pour recevoir toutes mes vidéos, et si tu te sens seul, triste à un moment, sache une chose. Je vous aime les mecs, les miss et les enfants. Shani est avec vous de tout cœur. En attendant, il me reste plus qu'à vous dire bisous, passez une bonne semaine, un bon week-end, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon boulot pour ceux qui sont au boulot. Et si ton patron te fait chier, j'ai un jeu pour toi. Il s'appelle Whack Your Boss. Si t'as pas vu la vidéo, va la voir parce que tu sauras quoi faire ensuite. Allez les mecs, allez les miss et les enfants. Bisous sur la face droite, on se retrouve à un prochain épisode. Peace!